Sutton, je suis épuisée. Je n'ai pas la force de me disputer. Tu me fais des reproches tous les soirs. Quoi que je fasse, ce n'est pas suffisant. Peut-on remettre cette dispute à demain ? Il est tard. Je vais faire un bisou aux enfants et aller me coucher. Bien sûr, fuis Randall. C'est tout ce que tu sais faire. Nova ? Nova ? Sutton, Nova a disparu. Comment ça a disparu ? Elle n'est plus dans son lit, et j'ai vérifié toutes les pièces en haut. Elle n'est nulle part. Non, c'est pas possible. Elle est forcément dans la maison. Il s'est passé quelque chose avec elle avant que je rentre. Elle t'a semblé bouleversée ? Non, pas du tout. Elle allait bien. Enfin, comme d'habitude, il n'y avait rien de spécial. Je t'assure, Randall. Je prends la voiture et je vais faire le tour du quartier. Toi, appelle la police. Chérie, tu crois que c'est à cause de notre dispute ? Mon Dieu, ma pauvre Nova, seule dans le noir. Comment j'ai pu être aussi insensible ? Sutton, on n'a pas le temps pour tes états d'âme. Il faut la retrouver ! Appelle la police. Allô ? Ma petite fille de 10 ans a disparu. Elle n'est plus à la maison. Mon mari fait le tour du quartier en voiture. Elle n'a que 10 ans. Je suis très inquiète pour elle. Pourriez-vous patrouiller et nous amener quelqu'un ? Je vous en prie. Calmez-vous, madame. Un jeune homme nous a déposé une petite fille il y a un quart d'heure. Nous étions justement en train d'essayer de vous contacter. Juste ciel ! Merci, madame. Merci, merci. Que le ciel vous bénisse. Comment va-t-elle ? Elle n'est pas blessée, au moins ? Elle va bien, madame. Mais elle a l'air vraiment stressée et confuse. Mon bébé, mon mari et moi arrivons tout de suite, madame l'agent. Oh, mon bébé, tu vas bien ? Papa et moi avons eu si peur. Tu n'es pas blessée ? Tu as mal quelque part ? Qu'est-ce qui s'est passé, ma puce ? Je veux rentrer à la maison. Oui, Manova, on va rentrer tout de suite. Je suis tellement désolée. Pardon, je ne me suis pas occupée de toi comme tu le mérites. J'ai eu si peur. Papa et toi, vous allez divorcer ? Divorcer ? Bien sûr que non, ma chérie. C'est à cause de nos disputes que tu t'es enfuie. J'en peux plus de tous ces cris. Oh, mon bébé, je te demande pardon. Regarde-moi dans les yeux. Papa et moi, nous ne nous disputerons plus. Je te le promets. Je suis tellement désolée, mon bébé. Tout est ma faute. Je te demande pardon. Tu sais que tu es plus importante que tout pour moi et pour ton papa. J'ai du mal à m'habituer à cette nouvelle vie à la maison. Mais je te promets que je vais faire plus d'efforts. Tu es ma priorité. Tu le sais ça, Manova. Toi, Brenda et Rosée, vous êtes toute ma vie. Dieu merci, tu es saine et sauve. J'ai eu si peur, Manova. On peut rentrer maintenant ? Oui, mon bébé. Rentrons à la maison. Je vais te faire un bon chocolat chaud. Et demain, tu n'iras pas à l'école. On passera la journée ensemble, d'accord ? Rien que toutes les deux. Thank you.
Bien le bonjour à toutes et tous, chers naufragés d'internet. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 5e épisode de notre Let's Play Automatisme avec la petite famille McCoy. Comme vous avez pu le voir dans le machinima, c'était rempli d'émotions. La famille qui a eu très peur, les parents pour Novali, mais elle est en bonne santé, elle est saine et sauve. Et les parents ont décidé de prendre des vacances au Japon parce que la famille en avait bien besoin avec toutes ses émotions. Donc nous sommes au Mont Komorebi, sous la neige, avec la culture nippone. On va découvrir tout ça, mes chiens de projet d'internet, on vient d'arriver. Il est samedi et on a pris 3 jours de vacances, donc avec 2 jours le week-end. Petite Brenda qui danse sans musique. Quoi? Sutton, pourquoi tu fous le rosé dans la neige, s'il te plaît? Tu veux bien le prendre dans les bras, parce que là c'est du n'importe quoi. Il s'est fait une petite nouvelle coupe, parce que j'ai supprimé le CC de sa coupe d'avant, et j'arrive pas à le retrouver. J'ai supprimé plusieurs coupes de garçons pour enlever les monsieur points d'interrogation que j'avais dans toute la ville, les CC pétés. Et au final j'ai pas retrouvé sa coupe, donc voilà, il a changé de coupe. Notre petite Nova qui fait du vélo. Au vu des machinimas, on peut peut-être penser que Sutton, elle est un petit peu égoïste de vouloir s'épanouir avec sa carrière alors qu'elle a 3 beaux enfants. Mais il faut la comprendre, Sutton, c'est pas une mauvaise mère. Elle fait vraiment de son mieux avec ses 3 enfants. Elle a 2 enfants en bas âge. Et c'est vrai que sa carrière était importante pour elle. Mais ça fait pas d'elle une mauvaise maman, elle essayait au mieux. Et puis elle n'a pas eu beaucoup de chance avec sa maman. Elle n'a pas eu vraiment la figure d'une maman modèle. Faisal, qui a eu Sutton à 17 ans, qui n'était pas vraiment une enfant voulue. Elle veut vraiment faire de son mieux, et là, Novali, elle a vraiment eu très peur de la perdre. Donc c'est vrai que sa carrière, elle s'est rendue compte que c'était pas le plus important dans sa vie. Le plus important dans sa vie, c'était ses 3 enfants. C'est bien de traverser ton père, ma chère. Là, c'est la force Jedi. Pourquoi t'es triste, toi? But de la vie, a peur de ne pas réaliser ses rêves. Mais franchement, t'es au Japon avec tes 3 enfants et ta femme. Tout le monde est en bonne santé. Tu vas arrêter un petit peu ton cirque. Par contre, il a la dalle. Il va nous claquer entre les doigts, ce stupido des enfers. Donc, tu vas aller servir le déjeuner. Tu vas faire des mini tamales aux boulettes de viande. Allez, vamos. C'est fini, le vélo, là. Ton père, il va mourir sur place, là. Jouet disparu. Je pensais à un de mes jouets préférés et je n'arrive pas à le trouver. Il commence à me manquer et cela me rend triste. Mais oui, mais on est en vacances, ma puce. Joue avec un autre jouet. Ça sert à rien de le chercher, il est à la maison. Manipuler toutes ces casseroles et ces poils laissent un goût amer dans la bouche de Randy de Till. Jeter l'éponge, accepter qu'il n'aime pas la cuisine. Pas de problème. C'est pas parce que t'aimes pas la cuisine que tu vas pas cuisiner, hein. Où sont les pistes? Ah, si, on est près des pistes. Tu veux faire de la luge avec moi, ma puce? Oh, elle a le cœur brisé. T'as qu'à faire de la luge avec Brenda. Rosé, il est bien à la maison, il garde les murs. Pourquoi elle marche comme ça? Elle a pas mis de chaussures. Oula, il y a un petit bug là. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah voilà, elle met quand même des chaussures. Pourquoi est-ce qu'elle marche à toute vitesse alors que je suis en x1? Mais regardez comment elle marche. C'est complètement buggy, regardez comment Brenda elle marche. Tic 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 tic. On dirait Alison Van Craft qui descend les escaliers avec un balai aux fesses. Notre gamelle pas, pauvre Brenda. Oula. Oui. Ok, vous êtes bien atterri. Allez, vas-y, Randy. Yeah. Génial. Ah, pareil, tu t'es pas gamellé, c'est plutôt une bonne chose. Bon, Randy, elle veut pas, Nova, donc t'as qu'à faire du snowboard. Allez, c'est parti. Oui. Mais vous êtes dingue. Mais tu veux faire tomber ta fille? Bon, ça va. Heureusement, elle va bien. C'est la dernière fois, après on rentre, parce que... tout le monde a besoin d'aller aux toilettes. Oh non. Ouais, bah voilà. Randy qui s'écrase la face. Face contre la neige. J'aurais pu mourir. Arrête de m'énerver, toi. Je sais que ça va pas très fort en ce moment, jeter de pétales au Festival de l'Amour. Mais bien sûr, au Festival de l'Amour avec ma nounou et puis quoi encore. Pourquoi tu l'as mis par terre, Brenda? Elle doit rentrer toute seule à pied. La pauvre, mais regarde dans quel état elle est. Je t'ai demandé de la prendre dans les bras. Elle en a rien à foutre.
Elle va tomber dans la neige et elle va être HS. Il y a les services sociaux qui vont m'appeler. Pourquoi tu fixes le néant, toi ? Arrêtez de fixer le néant, c'est pas compliqué. Brenda, elle a tellement détesté les boulettes de viande médiocres qu'elle en a fait une bouillabaisse et qu'elle a tout foutu par terre. Ah, c'est les toilettes japonaises. On appuie sur le bouton ding 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 pour avoir un jet d'eau dans les fesses. C'est bon, la fée du logis ? C'est Cendrillon, ma petite Sutton. Elle a plus qu'à chanter. Ah, 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 je fais la vaisselle. Bah, t'as oublié une assiette, stupidasse des enfers. Je loue tes mérites, mais en final, t'es éclaté au sol. T'as oublié une assiette. Essaye d'ouvrir tes quinquets, ma belle. Bonne nuit, la ch'tite famille. Oh, il est en train de parler de cochon. Je suis sûre que là, il se dit dans sa tête, oh là là, mais je pue comme un cochon, moi. Je suis un cochon farci. Cochon farci à la broche. Pourquoi t'as mis la couche sale, dégueulasse ici alors qu'il y a une poubelle là ? On va lui faire une purée de petits pois. C'est délicieux ça, une purée de petits pois. Bon, là, dans la logique, quel bébé au monde aime la purée de petits pois ? Vas-y, Rosé, sois comme tout le monde et déteste la purée de petits pois. Vas-y, montre-moi à quel point tu détestes. Ah bah oui, il veut pas manger. Hein. Il aime pas ? Oh, mais il a l'air d'aimer, mais il est parfait, il aime tout. Youpi, Rosélie aime la purée de petits pois. Mais mince alors, t'es pas un enfant normal, Rosé. Oh, regardez, oh, Berk. Oh, il est trop mignon. Même quand il fout le bordel, il est mignon. Il y a petite Nova qui est réveillée et qui va prendre les boulettes de viande médiocres au petit-déj. Bah, bon courage, hein. Va lui donner de la glace à 6h du matin. Bon, maman ne regarde pas, donc il a le droit de lui donner de la glace. Ah bah ça, il aime, hein. Il se tape le ventre, hein. C'est quand même différent que la purée de petits pois. Voilà, il a adoré la glace. Bah bien sûr qu'il a adoré la glace. Faire un bonhomme de neige avec Nova. Ah bah ça, c'est Mehdi, mais sans ses problèmes. Sans son point d'interrogation. Bah t'es plutôt cool, Mehdi. Tu fais beaucoup moins peur comme ça. Oh là, Sutton qui s'y croit, là. Pour faire ses pancakes. J'ai parlé trop vite. Faire un bonhomme de neige avec Nova. Mais je veux mon bonhomme de neige. Moi, je veux mon bonhomme de neige. Même si t'as pas envie. J'en ai rien à foutre, Andy. C'est moi qui décide. C'est moi la sainte souris. Oui, tu vas me faire un bonhomme avec Nova. Parce que je l'ai décidé. Non. Mais c'est pas ça que j'ai décidé. Merda! Toi, je t'ai demandé de lui changer la couche. Ils écoutent vraiment rien. Faut appuyer tout le temps sur les mêmes boutons ou faire les interactions en boucle. Mais regardez Sutton! Ah, c'est bon, elle fait. Alors, est-ce que ça va être le bonhomme pirate, le bonhomme fichu de la reine d'Angleterre? Faites vos paris en commentaire, mes gens, le projet d'internet. Moi, je vote pour le fichu de la reine d'Angleterre. Et alors ce bonhomme de neige? Et voilà, j'avais gagné le fichu de la reine d'Angleterre. Style de vie obtenu. Sutton a débloqué le style de vie sim sociable. Mais elle voit personne. Alors il est beau ton ange dans la neige? Oh mais qu'est-ce qu'elle est belle, Manova. Elle est belle comme un cœur. Bonjour, vous admirez notre bonhomme de neige? Ah, vous lui parlez carrément. Et ben voilà, Brenda qui a tout foutu par terre encore. Non mais Brenda, c'est un cimetière de bouffe qu'elle a foutu là. C'est le petit poussé, on peut savoir où est-ce qu'elle a bouffé. Attends, il va bien Rosé, là? Et moi, j'ai peur quand il dort sur le ventre, hein. Ne t'étouffe pas, hein, mon cœur, hein. Randy qui se rase. Frère, tu t'es pas rasé, là? Frère, ta barbe, elle est toujours là. Qu'est-ce que t'as rasé, frérot? Je veux faire de l'escalade. Où est-ce que c'est? Je sais plus, moi, où est-ce que c'est pour faire de l'escalade. Bon, écoutez, on va prendre les télésièges. Il est pas habillé en temps froid, là, si? Voilà, donc ils sont... ici, sur la montagne. Alors, il va faire du ski. Haute intensité, comme ça, il va s'écraser. C'est parti, Randy. On te suit, frérot. Voilà, nickel. Vas-y, Randy. Il est à la haute intensité alors qu'il a jamais fait de ski de sa vie. Hein. Normalement, il doit s'écraser par terre. J'ai jamais fait de ski, moi. J'aime pas la neige. Puis en plus, j'ai l'équilibre d'un manchot bourré. Donc déjà le patinage, j'arrive même pas à rester sur les patins. Alors faire du ski, non merci. Ah ça c'était haute intensité. Ah bah il s'est quand même bûché à la fin. Mais bon. Et Manova qui fait du snow. Wouh! Elle est géniale Manova.
Allez, ne tombe pas, ne tombe pas, Nova, ne tombe pas. Comment tu te débrouilles comme une chef? Mais quelle classe, Manova. On dirait presque l'overboard de Retour vers le futur. Oh, voilà, elle est restée sur ses appuis. Bien joué. Yes. Et il a failli se bûcher, mais il s'est pas bûché. Hein. Il s'est pas bûché, il s'est pas bûché. Là non plus. Mais quelle classe. El Rendito. El Rendito, quelle classe. Champion du monde. Champion olympique de ski à haute intensité, alors que j'en ai jamais fait de ma vie. Bon, moi, j'aurais bien aimé aller faire de l'escalade. Oh, Novalie a perdu sa dent. Elle peut attendre qu'une nouvelle dent apparaisse ou choisir de remplacer la dent manquante. Oh, t'as plus de dents. Oh, mais regarde, c'est ta nounou préférée. Mais c'est pas grave de perdre une dent. Dentastrophe, perd une dent, n'importe quoi. Mais c'est pas grave de perdre une dent, ma belle. On rentre de vacances demain, mes chers naufragés d'Internet. Demain, on ira dans la zone boisée. Les factures viennent d'arriver, mais je suis même pas chez moi. Par contre, 34$ le pain perdu, vous allez le tartiner avec des feuilles d'or ou c'est comment ça se passe? Je rappelle, hein, du pain perdu, c'est du pain rassis avec de la crème. Je sais pas pourquoi, c'est aussi cher. Alors à quoi il ressemble ce pain perdu de 34€? Ah, vous me direz, ça a l'air quand même assez bon. Oh, Brenda, on te suit à la trace, hein. Ah, Brenda, elle a une envie pressante. Ben voilà, elle y va toute seule. Mais quel enfant autonome. 3 ans et c'est la plus autonome. Ouch. Ouch, maman, tu m'as marché dessus. Désolée, ma fille. Mais dans les Sims, ça marche tout le temps comme ça. On marche sur tout le monde. Par contre, c'est bien de vouloir sortir les poubelles, mais ne fais pas les choses à moitié. Sors-les vraiment. Oh, mais c'est trop mignon, ça. Non mais regardez-le, cet asticot, là. Comment il est trop mignon. Lui, il est dans un nuage de poussière, c'est Sangoku. On va aller se balader. Cette fois-ci, c'est Randy qui va rester. Quoique, on n'a qu'à sortir tous les trois, et puis ils iront à la garderie, les deux autres. Écoutez, c'est pas grave, on va quand même se balader. On voulait faire une petite expédition, c'est un petit peu raté. Oh, on peut faire du patin. D'abord, je veux voir Novali acheter une petite capsule. Bon, 50 balles, c'est quand même assez cher. Mais bon, on fait péter la tirelire pour toi, Nova. Tu le vaux bien. On va pouvoir ouvrir la capsule. Attention, la princesse Cordelia. Oh, il y a un flic. Vous inquiétez pas, monsieur, je suis en règle. Vas-y, montre-nous à quel point t'es forte, Nova. Bah, écoutez, elle s'en sort bien mieux que moi. Hein. Moi, je sais pas faire ça. Ah, voilà, moi, c'est plutôt ça, moi. Puis, comme ça, hein, elle augmente un petit peu ses facultés motrices. Elle est au niveau 10 de la compétence sociale et 8 de faculté motrice. Bah, Randy, il a pas envie de faire du patin. Hein. Va avec ta fille, au moins. Pendant que le mari, il se bourre la tronche. Ouch, Nova. Novali doit faire plus attention à ce qu'elle fait car elle vient de perdre une dent. Encore? Mais là, par contre, Nova, t'auras plus de dents, là. Tu vas plus pouvoir manger que de la soupe. Il pleut comme vache qui pisse. Bon, écoutez, il n'y a pas grand-chose à faire ici. C'est un petit peu un fail, cette sortie. C'est assez sympa, le Mont Komoribi. Bon, j'y vais vraiment très rarement. Mais pour se dépayser, c'est plutôt pas mal. Et le pack amène quand même des fonctionnalités intéressantes. On va rentrer au logement. Et puis, on va rentrer chez nous. Les vacances qui sont terminées. Enfin, c'était pas vraiment des vacances. C'était plutôt un long week-end. Je pense qu'ils auraient bien envie de regarder un petit peu la télé. Sutton qui va appeler sa maman pour donner des nouvelles. Regardez les trois qui sont ensemble. Mais arrête de crier des mots interdits. T'as tes deux enfants. Et puis Nova qui va quand même un petit peu mieux. Je pense que ses vacances en famille, ça lui a fait quand même du bien. Et puis ses parents qui font tout pour ne plus se disputer. Et Sutton, elle a vraiment compris que sa vie, c'était sa famille, c'était ses enfants. Même si c'est compliqué, hein. Elle tenait à sa carrière, elle tenait à son indépendance financière, à ses collègues.
Et puis, elle a jamais voulu être mère au foyer. Donc, c'est vrai que cette nouvelle vie qu'elle n'a pas choisie est compliquée à gérer. On va se quitter sur ces dernières images de ce long week-end au Japon. Ne partez pas tout de suite, il y a le machinima de fin. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, tu peux liker, commenter et t'abonner si tu veux suivre mes prochaines créations. On se retrouve lundi d'ici là. Prenez soin de vous surtout. C'était Alivi pour vous servir. Passé depuis ma fugue. Maman passe beaucoup plus de temps avec moi. Je me sens vraiment mieux en ce moment. Maman et papa ne se disputent plus. Je n'avais jamais senti notre famille si proche. Je vais toujours chez mon psy, mais maman m'a dit que je n'étais plus obligée d'aller à la thérapie familiale. Ça me fait plaisir, parce que j'aimais vraiment pas ça. J'ai l'impression d'avoir une place plus importante dans la vie de maman. Tout va beaucoup mieux maintenant.